Si c'est ici le meilleur des mondes possibles, que sont donc les autres? Pas encore si je n'étais que PC, je l'ai été par les Bulgares. Mais oh, Pandros, le plus grand des philosophes, faut-il vous avoir vu pendre sans que je sache pourquoi? Et Cunégonde, la perle des filles, faut-il qu'on vous ait pendu le vent? Prenez courage. Quoi? C'est vous? Vous vivez? Je vous retrouve en Portugal. On ne vous a donc pas violé. On ne vous a point fendu le ventre. Si fait, mais on ne meurt pas toujours de ces deux accidents. Et votre père et votre mère ont-ils été tués? Mais que trop vrai. Et votre frère? Tué aussi. Bienvenue à Venise, mon bel ami. Oh, moi aussi, je trouve que tout va de travers chez nous. C'est une guerre éternelle. Un sage, qui depuis a eu le malheur d'être pendu, m'a appris que tout cela est à merveille. Ce sont des ombres, un beau tableau. Votre pendu se moquait du monde. Vos ombres sont des taches horribles. Ce sont les hommes qui font des tâches, ils ne peuvent pas s'en dispenser. Ce n'est donc pas leur faute. Ainsi, vous aimez éperdument une demoiselle. Ok. Elle s'appelle Cunégo. Vous me répondez comme un jeune homme de Westphalie. Un Français m'aurait dit, il est vrai que j'ai aimé Mademoiselle Cunégonde, mais en vous voyant, madame, je crains de ne la plus. Bien sûr, je répondrai comme vous voudrez, madame. Oh, il faut que je vous dise, votre sœur Cunégonde est à Constantinople. Oui, elle lave des écuelles chez un imam, mais je vais la racheter et je l'épouserai sur le champ. Vous, Pandos, quand vous avez été pendu, roué de coups, quand vous avez ramé aux galères, avez-vous toujours pensé que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes? Je suis toujours de mon premier sentiment, car enfin, je suis philosophe, il ne convient pas de me dédire. Et Leibniz ne peut avoir tort. Et l'harmonie préétablie est la plus belle chose du monde. Venez. Il me reste un peu d'argent pour vous racheter. J'ai une petite métairie dans le voisinage de Constantinople. Nous y deviserons sur les effets et les causes, sur le mal moral, sur le mal physique, sur la liberté et la nécessité. Oh, comme cette fille est laide! Oh, quelle horreur!